Elle passera pas. Oh putain. Faut changer là. Faut changer. Oh putain. Oh putain. Elle m'a pas laissé le temps de changer de personnage. Allez, final round. On met tout là dedans. Ouf, oh là là. Mais cette technique elle est cheatée. C'est abusé. Oh, il traverse tout l'écran. Oh. Oh là là, faut que je change de perso. Allez, Sagat, sors-moi de cette merde là, parce que je suis vraiment dans la merde. Il y a un système de Pandora aussi, il faudrait que je l'explique aussi. Oh putain. Oh là là. J'arrive. Ouais, ouais, mais il a trouvé la parade. Oh là là, il me fait une prise en plus. Voilà, allez, bam, faut que je me sors de là. On va essayer. Voilà, ouais, mais putain. La Pandora, voilà. Eh, on a que ça à tenter, de toute façon. Et j'ai que ça à faire. Mais ouais, je pouvais rien faire. La Pandora, en fait, c'est que... On sacrifie un personnage qui a moins de 25% de barre de vie pour revenir avec l'autre personnage qui est ultra puissant, mais pendant 10 ou 15 secondes. Même pas, je crois que c'est 7 secondes. Et en 7 secondes, faut terminer le perso. Faut terminer l'adversaire. Bon, c'était pas mal. Je vais gagner le premier round. Là, je suis à 0 points. Je suis 0. Bon, bah après, c'est vrai que... C'est avec des personnages que je connais pas trop. Mais bon, j'aimerais bien tous les montrer, en fait. C'est ça, le truc. Mais j'ai montré aucune spéciale, aussi. Hein. La poison. Là, je vais la retrouver. Je vais la défoncer, la poison. Sans déconner. Elle m'a rendu fou, là. Elle m'a rendu fou. J'aurais gagné un round quand même hein, dans cette vidéo, je tiens à le souligner. Ouais, c'est abusé ça, c'est du grand Capcom ça. Les vues sur les décolletés comme ça, ouais, c'est... Au bout d'un moment, ouais, voilà, allez, ouais, bah, c'est le même à mon avis. Hein. Ça va être l'Irlandais. Ah non, Jet Set Radio, ah, un grand fan de Dreamcast, un Italien cette fois. On va voir à quel niveau il est parce que franchement là, le premier il était à 1000... 1000, tu sens la différence. J'ai quand même à lui, j'ai réussi à lui prendre un round. Hein. Je suis à 0 moi. Je lui ai pris un round. Allez. Allez, on va quand même. Allez, on va tenter. On va tenter. Akuma. Avec. Avec Paul. Essaye de prendre. Qui il a lui? Il a Kazuya et Asuka. Ok, ben on va boire ça. On va essayer de changer de niveau. On va voir, ouais, on va aller voir Agar. Agar, il est où? Il est dans ce niveau-là. Agar, regardez bien à la fin du round. Agar, on le voit derrière le panneau caché. Bon, après, il est plus caché puisque le panneau, il tombe. Il est à quel niveau? 48. J'ai moyen. Même si je connais pas les personnages, j'ai moyen. Puissance maximum, je t'attends. Les commentaires, c'est de la déco, ça c'est de moi ça. Avec joue à la maison, ça le fait. Ah, il est sympa Akuma. Il a voulu sauter l'animation de début. Oh oui, oh je le sens bon là, quand j'ai deux... Ouf, oui, voilà, ça c'est bien joué. Et là je l'enchaîne. Ah putain, c'était combo que je voulais faire là. Oh, oh là là là, oh là là. Là, cette musique, encore, je l'apprécie. Elle est vraiment... Oh là là, je l'ai fait de trop loin, le jeu. Oh putain, il m'a pris de l'autre côté, cet enfoiros. Oh, faut que je change de perso. Allez, je le connais pas, Paul. Oh, mais on va essayer... Ouais, d'accord. Petit... Ouf.
Voilà, celui-là il fait mal, celui-là. Celui-là il fait mal. Ce coup de poing il fait mal. Voilà, il fait mal ce coup de poing là. Ouf. Ouais, mais elle m'a touché avant. Ouf. Oh là là. Oh là, papa, 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 papa. Je fais n'importe quoi. Elle a même pas changé de personnage. Oh putain. Putain, elle change pas de perso. Il change pas de perso. C'est un fou. C'est un fou, il change pas de perso. Et il a changé, ça y est. Oh là là. Et il a rechangé. Et il est malade. Oh là, ouais, mais c'est pour me faire une spéciale. Oh là là, au time over. Putain, j'avais mes chances là. J'ai fait n'importe quoi. Bah ouais, mais je connais pas les persos. Paul, il est pas mal. Même pas réussi à faire une spéciale, sans déconner. Parce qu'après, le système de combo, c'est le même avec tous les personnages, quoi. Il y a que les techniques spéciales qui varient, quoi. Oh, putain. Oh là là, non. C'est bon. Voilà, j'aime bien quand ce coup de poing passe. Et ouais, mais... Un gros coup qui est bloqué, c'est obligé, le mec, il enchaîne derrière. Putain, j'aurais dû envoyer le coup de pied, là. Allez, je passe par-dessus, putain, avec son coup de poing. Faut le faire... Oh, pop, pop, pop. Oh, faut changer de perso. Allez, bam. Pandora, Pandora, allez. On va voir si ça passe. Allez, 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 allez. Ah, faut... Allez, peut-être là. Oh, putain. Là, si je lui faisais la spéciale, putain, de fou. Oh là là, ça pouvait passer, là. Ça pouvait passer. C'était intéressant, là, le comeback. Putain. On a pris 50 points, cet enfoiros. Mais j'étais à zéro, déjà, de toute façon. J'étais à zéro, déjà, de toute façon. Allez, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Il était très bien noté quand même ce jeu. Moi je sais qu'il m'a plu, mais il a pas bien marché apparemment. Il a pas bien marché. Ma foi, Capcom, à force de prendre les gens pour des cons, je vais te dire que les gens ils finissent par plus acheter tes jeux quoi. Surtout quand ça sort en même temps. Allez, voilà, je vais me faire plaisir là, enfin. On se croirait en borne d'arcade avec ce système, hein. On joue seul et n'importe qui peut arriver. Oh putain. Allez, on va essayer de faire... On va essayer de placer une spéciale... Ah ouais, un nouveau challenger arrive. Rick Lover. Non. R1 Race qui voudrait dire peut-être, je sais pas. C'est quoi ce pseudo? Il est à quel niveau? C'est ça la question. On va prendre Ayuki. Et notre cher Guile. Quoique non. Ayuki c'est un Street Fighter. Là je prends un Tekken, c'est-à-dire Orang. Orang c'était le Taekwondo. Lui prend Hugo et Kazuya. Ok, quel stage pourrait... Ah, je sais pas si on l'avait vu à gare. Là on va aller dans la Blast Furnace. On va changer de niveau. J'appréciais bien la musique du dernier niveau. Franchement c'était pas mal. Franchement c'était vraiment pas mal.
Ouais, qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce jeu? Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce jeu? Ouais, il a pas marché, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour ta gueule, Capcom, des fois. Oh putain. Alors là, si j'arrive à gagner avec des personnages que je connais pas, franchement. Oh là là, comme il m'a embrayé. Oh le bâtard, j'ai pas vu son. Et si, il a 700. Oh là là, ouais, il est. J'étais obligé de changer là. Allez, bam. Oh là là, ouais, mais si je change. Il faut que je rechange encore derrière là. Ça va pas le faire sinon. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il m'a défoncé. Et pourquoi, pourquoi il se protège pas là? Putain. Oh là là, il m'a défoncé. Chapeau. Chapeau, Rice Lover là. Allez. Ouf, bien, je l'ai bien eu là, je l'ai bien eu. Oh putain, mais le problème c'est qu'ils me font des combos de fou. Ils me font des combos de fou. Oh, ils arrivent toujours à placer un coup sur les trois, quoi. Oh là là. Eh ouais, eh ouais. 7. 7 et ils savent très bien. Eh ouais, mais moi je suis obligé de changer de personnage parce que je peux pas faire plus de 4 combos sans changer de personnage, quoi. Eh non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là, qu'est-ce qui me sort ça maintenant là? Oui, parce que comme dans Marvel vs Capcom Arcade, le premier du nom, on pouvait faire venir les deux personnages en même temps sur le terrain de combat. Et c'est vrai que c'était, ça me rappelle, j'avais plus vu ça depuis Marvel vs Capcom quoi. C'était le premier, hein. Ouais, c'était le premier, c'est ça. Et on voyait les deux têtes de personnages venir se s'entrechoquer au milieu de l'écran. Pour dire qu'ils arrivaient tous les deux en même temps, quoi. C'était vraiment bien foutu, quoi. Ouais, un jeu, moi, un jeu vraiment que j'ai apprécié, hein. Il a été très bien noté, mais apparemment, ça n'a pas bien marché. Parce que c'est vrai que quand même 12 personnages, hein, 12 personnages en DLC, c'est quoi? C'est un tiers du jeu, quoi. Même plus d'un tiers du jeu. Allez. Voilà, que je me fasse plaisir un peu là. Allez, bam, je l'avais oublié ce coup de pistolet, voilà, de Kazuya. Là, je connais un peu plus ses personnages, ça me fait plaisir un peu. Oh là là, Mambrey là aussi. Hein. Oh putain. Qui c'est qui se cache sous le Lego là-bas? Sous le Lego, sous la tête de. Oh là là, ouais, bien joué. Et là, si. Oh, j'ai pas pu faire un Hadouken. Allez, un nouveau challenger. On va voir si c'est le même. J'espère que c'est le même. Il avait niveau. Il avait un niveau vraiment bien sympathique, quoi. Il avait mon niveau. Mon niveau. En fait, c'est ça le truc. Ah, c'est deux Anglais maintenant. Oh, moi contre deux Anglais, c'est magnifique. C'est magnifique. On va essayer de leur parler puisque c'est des Anglais. Elle est où mon oreillette? Elle est où mon oreillette? Putain, juste quand. Elle est où, putain? Elle est là. Oh putain. Allez, go. Choisis les personnages. Allez, je vais prendre mes deux personnages quand même. Allez, je vais prendre Ryu. Et vite, vite, vite. Et allez, Ryu, 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 Ryu et Kazuya. Allez.